Je m'appelle Marc-Antoine Biblioni et je fais partie de la promotion 2015. Aujourd'hui, je suis chef de projet senior marketing chez MediaOne, qui est un groupe audiovisuel qui développe toute la chaîne de valeur, ça veut dire de la production jusqu'à la distribution et la diffusion. On a pas mal de productions que vous connaissez tous, qui sont HPI, 10%, La Flamme pour la télé, mais aussi pour le cinéma dernièrement avec Novembre, Les Trois Mousquetaires. Donc voilà, autant pour le cinéma que pour la télé. Et ensuite aussi, quand je disais toute la chaîne de valeur, donc c'est la distribution à l'international et aussi ensuite la diffusion à la télé. Donc on a plusieurs chaînes qui sont connues comme RTL9, AB1, Manga, etc. Je travaille plus sur la verticale production du groupe, donc c'est d'accompagner tous les producteurs sur la stratégie et la recommandation marketing de leur programme. Pour moi, une journée type, du coup, c'est vraiment l'accompagnement des producteurs, les conseillers sur des assets marketing, s'ils ont besoin d'une affiche, bande-annonce, la stratégie qu'il va falloir adopter pour tel programme. On commence à travailler vraiment dès le début de la production, ça veut dire l'entrée en développement, donc s'il y a besoin de les accompagner sur comment vendre le programme, jusqu'à au moment de l'entrée en tournage où on va commencer à créer des contenus pour les accompagner au moment de la promo, c'est-à-dire du making-of, des petites interviews, voilà, parce qu'aujourd'hui, ben voilà, les réseaux sociaux, on a besoin de les alimenter avec tous ces petits contenus pour promouvoir ces programmes. J'ai fait mon bachelor de troisième année à Lille. Je faisais en même temps un stage alterné chez Music Story, c'était une société dans la musique. J'ai ensuite enchaîné avec un stage chez Kinépolis, qui est un exploitant de cinéma. Je voulais me développer dans le cinéma, parce que c'est un milieu qui me passionnait. Du coup, je suis parti sur Paris pour mes dernières années et mon master. Du coup, toujours en marketing communication, spécialisé dans le digital et les médias à l'époque. Et ici, j'ai fait un stage en agence de cinéma qui m'a permis de découvrir un peu ce milieu-là. Mon meilleur souvenir à l'ISEG, alors j'en ai pas un particulièrement, mais pour moi, c'est tous les travaux de groupe. C'est une expérience qui nous projette aussi dans le monde qu'on va avoir après, dans le monde du travail, parce que pour moi, dans le monde du marketing et du com, c'est un travail d'équipe. Le concours Open ISEG, on avait participé avec un groupe d'amis. Donc, c'était développer une box de cocktails. Voilà, ça peut paraître un peu désuet aujourd'hui, mais c'était très à la mode à l'époque. Donc, on avait voilà, développé une shaker box où l'idée était de se faire livrer une box de cocktails chaque mois. Ça, c'était un projet assez excitant parce que c'est le type de projet aujourd'hui qu'on peut développer aussi en entreprise.